Un cri libératoire et pour certains presque une révélation. Opérée et soignée d'un cancer du sein, Marilyn a découvert le karaté en septembre dernier. C'est un cri qui nous rend service en fait, qu'on s'approprie un peu pour le combat, peut-être le combat qu'on mène, en tout cas extérioriser beaucoup d'énergie. C'est aussi de se réapproprier son corps, de le penser dans sa tête au moment où on s'en sert. Dominique aussi l'affirme, après chaque fin de séance, elle éprouve un grand bien-être. Ça a beaucoup diminué les effets secondaires que je pouvais avoir dans les articulations et ça a été une grande aide pour le moral. De nombreuses études démontrent que l'activité physique améliore la qualité de vie mais aussi diminue le risque de rechute. À première vue, l'entraînement ressemble à un cours classique de karaté. Il est en fait adapté aux pathologies de chacun. En fonction de ce que la personne a et des effets secondaires des traitements qu'elle a, je vais mobiliser une partie de son corps pour lui permettre de récupérer sur ce corps-là. Donc quand vous avez quelqu'un qui a eu un cancer de la prostate, par exemple, on va travailler pas mal sur les muscles profonds des abdominaux. Les soignants insistent, l'activité physique doit être encadrée par des professionnels formés. L'association a mis en place une méthodologie précise, enseignée aujourd'hui à l'université Paris 13.